Bonjour, bonsoir tout le monde, comment vous êtes? Moi content ensemble avec nous encore pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo ça on va vous montrer comment on capable paramétrer internet sur téléphone pour capable faire monter 4G LTE. Pour nous faire ça, n'a prend téléphone nous tout de suite. Nous pour activer internet là sur lui pour capable voir. OK, n'a cliquer sur lui. Là, l'infin activer lui, n'a tenir monter, n'a garder nous ouais un petit H+. C'est un petit H+ qui monte. Qu'on y a là. Nous pouvons aller dans les paramètres de téléphone. Nous pouvons cliquer sur réseau de données mobiles. Ou bien mobile network pour anglais. Et puis, nous arrivons là. Téléphone, ça, comme bien dit, nous avons deux SIM sur lui. Nous avons un SIM NATCOM et puis nous avons un SIM GSL. Mais ce SIM NATCOM, nous avons utilisé Internet sur lui. Si nous avons capable utiliser et GSL, là, mais nous avons choisi Internet NATCOM. Qu'on y a là. Ok, qu'on y a là, nous finons. Nous avons sorti. Nous allons cliquer sur données mobiles. L'arrivée là, là nous capables et SIM celle-là lui-même LTE a déjà activé sur lui. Mais SIM NAT comme non et on pourra l'activer pour nous capables comment pour nous capables faire ça nous-mêmes. Ok. Nous suivons. Là, nous allons cliquer sur celle-là. Moi, je montre nous comment l'activer. Access point name nan li même noue li marqué web digicel ha.com. Le ou clique sou li ou apwe nan nouan li marqué internet. Se ou te vle tout ou te kapab pa mette internet mais ou mette digicel. Donc ou jis écrit en majuscule ou mette digicel. Et puis nan APN nan ou mette web digicel ha.com. Ok. Là, on essaie de configurer un APN pour nous capable là. Mettez internet. Et puis dans APN, mettez web. Non, c'est pas ça, web digicel ha.com. OK, faut mettre point entre web et digicel ha. Ok, là on a cliqué sur ok. Là on finit là on va cliquer sur petit check ça ouais qui en l'air c'est juste une façon pour capable save mais on capable pas mettre internet comme non capable mettre digicel et vous cliquez sur petit flèche là ou save li. Et puis là ou fini ou activer li pour internet ou capable bien monter. OK, konya la n'ap sorti. Nou pa ale nan NATCOM nan konya la. N'ap choisi nom des points d'accès APN. OK, là nou capable voir comment li configuré. Li marqué NATCOM et puis NATCOM net. Mais n'ap configuré yon lot pour nous. Nan nou an n'ap marqué NATCOM. On écrit la majuscule NATCOM. OK, dans APN on a marqué www.natcom.com. Et puis on a cliqué sur OK. Et puis on a cliqué sur petit check là pour nous capable save. OK, là il est déjà gré. On active le qu'on y a là. Pour internet là les capable bien activer et pour nous capable well. OK, là me cliquer sur lui. On y a là cliquer sur petite flèche là pour nous capable faire retour parce que jusqu'à présent ou regarder ou petit H+ ça toujours là. On y a qui ça pour le faire ou pour aller dans type de réseau préféré ou point premier et puis boum sous garder en l'air là LTE a li déjà activé. Ou après LTE a li monté automatiquement qui ou fin fait ça. Qu'on y a qui sont t'es capable faire. Si ou t'es fait ça ouais LTE a pas monté, ou t'es capable cliquer sur ça sélection de réseau et puis là ou pour sélectionner manuellement pour capable choisir LTE a.